Alors, avant de réaliser la construction de notre future maison en fuste, on a décidé de construire un sauna, une petite maison de petite taille qu'on voit derrière, aussi en fuste, afin de voir toutes les étapes nécessaires à la construction de la maison. Après avoir installé les pieux de fondation et la dalle en bois, les rondins et caries ont été empilés l'un sur l'autre en quelques jours. Une fois montés, la charpente était posée et la pose de la couverture en tuile de bitume pouvait démarrer. Les madriers sont faits main et chaque madrier est unique. L'épaisseur est de 20 cm et la hauteur varie selon le tronc choisi de 25 à 30 cm. Les madriers, une fois poncés et huilés, font apparaître toutes les caractéristiques de l'essence du bois, en l'occurrence le sapin. Les coins sont des nœuds de type norvégien et permettent le tassement futur de la maison. Le fronton est fait de poteaux poutres et de planches en façade. Enfin, une lucarne est insérée dans le toit afin de donner une vision depuis la mezzanine. Voilà pour les caractéristiques de notre sauna en bois massif. Pour les techniques de fabrication et pour l'agencement intérieur, nous avons fait d'autres vidéos.